aujourd'hui ramasseur de poubelles. Et mon patron, qui ne comprend rien, me traite comme une ordure. Ah, c'est dur, Paris. Ouais. Quoi? Tu es plongé dans le bac? Laisse-moi passer là, laisse-moi passer. Oh, dépêche-toi!
faut pas nous faire la tête des images, toi aussi. Nous, on nous a déjà éliminé. Attends. Bon, vous avez éliminé où ça? La France. T'as oublié? Mathématiquement, ils ne sont pas encore éliminés. En foot, il n'y a pas de mathématiques. Bon, écoute, mon ami, on va manger. Bah, attends, après. Oh là là! C'est le but! Non! Aïe. Voilà! C'est vrai, ça, c'est une défense. Ça, c'est vrai. Tu as vu ça? Non, tu as raison. Ça, c'est ça, on appelle le ballon! Mais c'est pas yéné là, hein? Oui, mais je ne suis pas content parce que nous, ballon. On est déjà éliminé là. Mathématiquement, non. Jupiter, ça te fait plaisir de cuisiner chaque fois en rentrant du travail tout fatigué? Tu ne peux pas te marier? Être un célibataire à ton âge, être digne, toi, mon ami. Si t'arrivait un malaise ou un accident ici, qui t'aiderait en premier? Hein? Réponds-moi! Tu penses que ça me fait plaisir de vivre comme ça? J'y ai souvent pensé. Tout le temps, j'y pense. D'accord, c'est bien ça. Et alors, la dernière fois, quand je suis allé aux obsèques de ma mère en Côte d'Ivoire, j'ai rencontré une jeune fille vraiment qui me plaît et je pense qu'avec elle ça va aller. J'ai dit à mes parents de faire tout le nécessaire et ça ira. Non, tu vois, je veux me marier. J'ai envie de me marier. Hey, ouais. Tu ne croirais que quand je la verrai ici, mais... je te montre sa photo. Voilà, elle est là. Tu as vu comme elle est belle? Ah oui, en effet. Elle est belle. Et tu penses que je vais laisser tomber ça? Moi, c'est tout ça là, ne me dis rien qui vaille. Je serai convaincu que lorsque je la verrai ici. Thomas, mais je voulais te dire, si jusqu'à présent à Paris je ne me suis pas marié, tu sais qu'il n'y a pas de bonnes filles à Paris. La plupart des filles sont comme des vieilles voitures chemisées. Ah, mais alors, et il fallait que je trouve une bonne occasion. Voilà. Maintenant, tu es convaincu que j'ai envie de me marier. Là, moitié. Mais comment tu trouves ma soeur? Elle est belle. Elle est bonne, pardon. Ouais, je vois qu'elle est bonne. Bon. Ah. Mais écoute, prends cette histoire au sérieux. Non, je suis très sérieux. Non, ça va pas tarder là. Je dois d'abord recevoir un coup de fil de mon neveu. Bientôt, hein, parce que c'est celui qui fait les démarches. Ouais. Ça va pas tarder, Ah, j'espère pour toi, hein. Sinon, passer tout son temps à courir derrière les petites filles.
Tu es déjà. Tu es dans quoi? Tu fais la même chose. Moi? Toi aussi. Non, 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 c'est pas pour lui, je fais rien. Je suis clé de moi. Tu t'es juré. Allô, fiston? Comment ça va? Oui? Oui? Très bien. Mais tu as fait du beau travail. Donc, tout est OK. Mais je suis heureux. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Oui, mais attention, n'oublie pas qu'elle a d'autres choses à faire d'abord avant de venir. OK? Bon, mais demain à 10h, je vais te rappeler. Si, si. Oui. Oui. Merci. Non, 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 mais tu es formidable. Ok. Ok. Je te remercie. Mais j'en profite pour dire de voir le tonton Augustin pour le problème. Oui, oui, d'accord. Merci. À demain, fiston. Merci. Faire
au mieux pour que le correspondant vous donne l'efficace. Non, mais mon frère, vous êtes super. Non, elle est là pour ça. Ah, non, 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 je suis vraiment content. Il n'y a pas de problème. Oui, mais je suis content de vous de faire votre connaissance. Moi aussi, moi aussi. Et puis, bon, comme je vous ai dit, ne manquez pas de venir me voir de temps en temps. Merci. Je suis à votre disposition. Merci beaucoup, monsieur si le directeur. Vous êtes chez vous. Merci beaucoup. Vous êtes très gentil. Bien, c'est moi qui vous remercie. Je suis très heureux d'avoir fait votre connaissance. Je suis très heureux que vous avez frappé à la bonne porte. Merci, monsieur le directeur. Il n'y a pas de problème. Merci. Merci. Yavis, oui. Ça y est, on y va. Ah mon Dieu, c'est très bon, ça s'est bien passé. Ah d'accord, d'accord, on vient. Donc, là, moi, là. Ah, là, maintenant ta femme va pouvoir venir. Par quel vol? Air France. Et l'arrivée à Paris, à quelle heure? 6h. 6h, Roissy, Charles de Gaulle. Ok. Oui, oui, d'accord. Mais n'oublie pas de dire au commissaire Bruguet de l'accompagner lui-même à l'aéroport. Oui, c'est ça. D'accord. Je te rappellerai dès qu'elle sera là. Merci. Merci, je suis très content. Allez, au revoir, fiston. Non, 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 ton cadeau, tu l'auras, sois sûr. Merci. Le Seigneur est merveilleux. Allô, Diabus? Diabus? Oui, passe-moi ton papa. Il est dans la douche. Va lui donner le téléphone, c'est urgent. C'est de la part de tonton Jupiter. Tonton Jupiter. Voilà, vas-y, fiston. Diabus? Comment ça va? Dis donc, mais je vais t'annoncer une très bonne nouvelle. Non, je n'ai pas eu la loterie nationale. Ce que j'ai eu, c'est plus que la loterie nationale. Oui? Toi qui es Saint-Thomas là, ma femme arrive samedi. Non, j'écoute, c'est pas là. C'est pas le poisson d'avril, nous ne sommes pas en avril. Je dis, elle arrive samedi. Mon petit frère vient de me téléphoner. Oui, elle arrive à 6h. Et nous serons à Roissy-Charles de Gaulle. Bien sûr, je sais que je pouvais compter sur toi. Tu viendras avec moi. D'accord. Merci, mon ami. Tiens. Non, 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 non. Non, non, non. D'accord, d'accord. Allez, ciao. Diabus, si tu croyais que moi je ne peux pas me marier, il va voir. Quand il va voir ma femme. Christian. Dans la villa, dans la villa, oh. Dans la villa, dans la villa, oh. Le vrai bonheur, ça se vit qu'une seule fois. Le vrai amour, ça se croise qu'une seule fois. Le vrai bonheur, ça se vit. Le vrai amour, ça se croise qu'une seule fois. Mais jamais deux fois, jamais trois fois, jamais quatre fois, jamais plusieurs fois. Ils sont jaloux de moi parce que moi j'ai gagné pour moi. Oh, hey. Que disent les hadis, les jaloux vont maigrir. Mais moi je dis, ils ne vont même plus maigrir. Au lieu de maigrir, je dis, les jaloux vont mourir. Oh, hey. Bonne arrivée, notre chérie.
guérir. C'est mon meilleur ami. Le seul. Il est formidable. Tu peux lui faire confiance. Il est à la fois ton père, ton ami, ton oncle et tout. Je suis ton tout. T'as vu? T'as vu ma femme? Ah non. Bon, cette fois-là, tu disais que tu étais Thomas. Bon, on va boire quelque chose. Oui, oui, oui. Ouais, je vois, tu es calme, hein. Tu es timide, hein. Oh, c'est tout ça d'avoir passé. Et les barres, tout le monde va bien? Tout le monde va bien. Mais qu'est-ce que tu as fait au pays actuellement? Il fait chaud ou bien il fait froid? Il fait chaud. Maintenant, tu es venu dans le froid, tu vas voir. Tu vas voir ce que tu vas voir. Bien cher. Allez, mon ami. Tu as trouvé? Oui. Non, non. Attends. Bon, voilà. Attendez, bonne arrivée. Il faut faire très, très attention. Bah, de toute façon, nous en reparlerons. Ok, bon, ben, mon cher. C'est bon. Restez. Écoute, la musique. Si tu ne me vois pas ces deux jours, tu sais pourquoi. Oh, Dieu. D'accord. Bon. Encore, hein. Il ne faut pas oublier, c'est venu quatre fois. Bon, allez. Allez. Bonne journée. À bientôt. Aïe. Tu n'étais pas trop fatigué durant le voyage? Non. Mais est-ce qu'on vous a donné à manger? Parce qu'on a mangé. Dans l'avion, là? Mais moi, ça me faisait vomir. Les femmes seules, en général, elles sont...
sont prises en compte par le social. Tu m'entends? Par le social. Mais t'as raison, t'as raison. Et puis si c'est pas comme chez nous, l'adultère, ça va considérer comme un crime. Ah non, c'est pas un crime, hein. Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe. Je vais sortir avec qui je veux. Parce que tu vois, lui, il dit que c'est un homme libre, qui peut sortir avec qui il veut. Mais moi, je suis une femme libérée. Parce que sans ça, ma liberté, qu'est-ce que j'en fais, moi? Ah, là, je te reconnais. Et si jamais il a le malheur de te toucher, tu appelles la police. Mais ça, t'as pas besoin de me le dire. J'y cours à la police. Vraiment, les hommes, ils vont jamais changer. Alors, je travaille demain et puis je vais pouvoir faire un effort
vendredi, juste pour toi. Ah, là, je serai gâté avec toi ce week-end alors. Oui. Pas de soucis. Je t'appelle et puis je passe chez toi. D'accord. Ça te va? Eh bien, comme je suis en retard, je pense que je vais partir et puis bon, ben, je te rappelle tout à l'heure. Ok. Ok? À l'heure. Ok. Je dis ce soir.
hein? Il faut prendre des précautions. Alors dis-moi Sonia, depuis quand est-ce que tu es là? Depuis 3 mois. 3 mois? Mais oui. Et je ne t'ai pas vu dans les parages. Ah, ben, Harry est grand. Depuis qu'elle a quoi? Pas cherché à demander un prêt, chérie. Enfin, moi aussi je n'avais plus ces nouvelles, hein. Je n'avais plus ces nouvelles. Mais entre-temps, je t'ai envoyé beaucoup de courriers et tu ne les as pas reçus. Attends, chérie, ouais. Pas de fou de moi. Mais comment me fous de toi? Toi, tu m'as écrit. Voilà, je t'ai envoyé plusieurs courriers. Moi-même, j'étais témoin. Hein. Alors, moi, je n'ai rien reçu. Moi-même, là, j'ai une fois pensé une. Ah bon? Oh là là, mais dommage, c'est pas grave, c'est pas gâté. Moi, je me suis dit que tu m'avais oublié à cause des Parisiennes. Hein? Mais non! À cause des Parisiennes? Mais oui. Non, mais ces filles-là, elles sont tous des vieilles femmes irrégimisées ici. Comment tu veux que je puisse tomber amoureux des Parisiennes? Ah. Hein? Je comptais sur toi. Ah bon? Oui, j'ai même dit à Georges une fois que je tenais à te faire venir. Il fallait qu'on trouve des occasions pour que tu puisses me rejoindre. Chérie. Ouais. Mmh, hein? Je suis en train de me blaguer. Mais pourquoi j'étais blagué? Vous preuve. Je suis devenu gros, non? Tu sais ce que j'ai fait à Paris? Tu fais quoi? Ah bon, d'accord. Je suis devenu directeur d'exploitation d'une société de gardiennage. Tiens, tiens. Qu'est-ce que vous avez percé ici? Mais devant. On fait la sécurité. Nous sommes devant. Ah, là, c'est bien. Tu vois, non? Ah bon, je suis bien tombé. Alors. Ah non, tu es très bien tombé. Hein, avec le temps, on va se voir. Bon, dis-moi, quand est-ce que je peux te revoir? Bon, la semaine prochaine, ça va. La semaine prochaine. Oui. Selon mon planning, oui, c'est possible. Samedi, tu fais quoi? Non, mais justement, samedi, je fais rien. C'est pour vivre dans le coup, là. Ok. Ouais. Bah, dis-moi, chez qui tu habites? C'est mon oncle qui m'a fait venir ici. Ah, ton oncle, il est gentil, ce monsieur. Ouais, je suis chez lui. Georges, oui? Je crois qu'il va falloir qu'on aille dire merci à ce monsieur. Et quand est-ce qu'on peut aller chez toi? Ah non, pas maintenant. Parce que lui, il a ses principes que je dois bien respecter. Ah oui, c'est vrai, il faut respecter souvent les principes. Hein? Ah. Parce qu'à Paris, mettre les gens à la rue, c'est la seconde fois. Ah oui. Il paraît que c'est fréquent ici. Ah ouais, ma chérie, tu n'as rien vu encore. Hein? Attends. Chef, tu fumes encore? Mais tu sais que la cigarette est toujours mon art de vivre. Non, ça c'est mariage. Tu t'es marié avec la cigarette. Non, c'est un pacte. Le jour où je laisse la cigarette, après je vais même pas t'en tirer. Ah mais c'est que tu commences à tirer parce que moi je suis arrivé là, tu vas arrêter. Tu as commencé à t'as continué quoi? Tu vas arrêter la cigarette. Tu vas visiter Rotterdam,
Tu vas visiter Anvers. C'est super. Oh, ma chérie, je t'adore. Ah, oui, oui, oui. Merci, encore une fois. Demain, je vais acheter les billets. Et puis, le week-end prochain, on va y aller. D'accord, voilà. d'accord. Ok. Bien. Alors, je vais aller faire une petite course et puis je reviens. Hein. D'accord. Je voudrais que tu me fasses un bon photo avec Nyanya. Bon photo avec Nyanya? Ben oui. Tes désirs sont... désordre. À tout de suite. Allez, on va aller. Ok. Où est notre chérie? Ben, tu vas où? Non, non. Je regarde. S'il pleut. S'il pleut. Tu vas? Depuis que je suis arrivé du travail, je ne l'ai pas trouvé ici. Comment ça? Lis la lettre qu'elle m'a laissée. Depuis 8 heures qu'elle est sortie. Elle est sortie avant que je ne parte au travail. Elle parle d'une cousine. Est-ce que tu saurais l'adresse de cette cousine? Je ne la connais même pas. Quand j'allais la chercher, je ne savais pas qu'elle avait des cousines ici. Et quand elle est arrivée, elle m'a pas parlé de ses cousines. Elle aurait pu au moins te laisser l'adresse de cette cousine. Comme tu le constates, ni téléphone, rien. Et je dis bien, depuis 8 heures, parce qu'elle est sortie avant que je n'aille au boulot. Tu vois l'heure maintenant qu'il est. Peut-être que moi je suis inquiet, peut-être qu'il lui est arrivé un accident aussi. Tu vois comme je t'aime bien. Je t'aime. Tu es forte. J'ai envie, j'ai plus envie de te voir, tu ne peux pas comprendre. Comment c'est arrivé? Bientôt. Oui. Dans tous les cas, tu peux venir à la maison quand tu veux. D'accord. C'est chez moi. Bon, allez, mon frère. Bien. Courage, hein, à bientôt. Il faut. À bientôt. Allô? Oui, je voulais savoir si tu connais la cousine Ozoa. Non? Ma femme m'a dit qu'elle allait chez sa cousine qui s'appelle Ozoa et moi je ne la connais pas. D'accord, merci. Allez, au revoir. En fait, je voulais faire partir une voiture à Abidjan pour mon cousin. Quel genre de voiture, monsieur? Oh, une 607. Peugeot 607? Exactement. Ben, monsieur, c'est 610 euros. Yeah. Bon, il y a monsieur qui voulait envoyer sa voiture pour Abidjan. Abidjan? Une Peugeot 607. Oh, c'est ça. Afrika Fred, bonjour. Merci à votre service. Oui, monsieur. C'est au 99 rue de Clignancourt. Oui, ben, on vous attend. À tout à l'heure, monsieur. Comment ça va? Ça va bien. Et la famille? Oh, ça va. Et les affaires? Ça va. Oh, je suis ravi de recevoir un des miens. Mon bureau. Très bien. Afrika Fred. Notre devise, efficacité, rigueur, rapidité. Pour nous, expédier un colis devient simple comme une lettre à la poste. Confiez-nous vos colis ou vos bagages une semaine avant votre départ et à l'arrivée, vous les récupérez. Oh non, monsieur le directeur, moi, là, je suis très content et vous pouvez compter sur moi. Vous m'envoyez ravi. Où est-ce que tu étais, toi? Écoute, Jupiter, je ne suis pas ton esclave. En voilà des manières. Je te demande où tu étais, tu me... Je te dis que nous sommes à Paris. Et alors? On sort quand on veut et on rentre quand on peut. Qui t'a pris cette dannerie là? Quand tu étais dans ta bouche là, tu sortais quand tu voulais et que tu entrais quand tu voulais. Et puis, tu as le culot de te moquer de moi? Je te parle là. Toi, tu m'emmerdes. Ça va pas, non? Comment ça va pas? Ça va pas, non? C'est chez toi que ça va pas. Oh, fous-moi le camp là. Et puis va te faire foutre, toi. C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai, ça. Mais c'est pas vrai, ça. Diabus. Diabus. Dépêche-toi. J'ai dit de te dépêcher. Viens, là, ça va pas. Pardon, j'ai dit de venir. Même si tu avais quelque chose à faire, laisse tout tomber et tu viens. Ça va pas du tout. Si, si. Bon, je t'attends, hein. Dépêche-toi. À la sueur de mon front, j'ai fait venir cette pimbèche-là. Et voilà ce qu'elle me fait, ce qu'elle me dit.
Yavuz. Oui, c'est moi. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il y a? Mais ça ne va pas. Quoi? Tu as lu le mot qu'elle a laissé? Oui. À peine elle rentre, je lui demande. Elle me traite de tout le nom, elle me gifle et elle fout le camp. C'est ta faute. Mais tout ça, c'est ta faute. Moi, je t'aime bien dans mon célibat. Tu veux dire me marier, voilà maintenant. Tu as raison, Calmon. Essayons d'y voir clair. Vraiment, écoute, fais-la venir. Je vais essayer d'arranger ça. Mais tu restes calme, zen, hein, d'accord? Allez, vas-y. Oui, je vois ce qu'il y a. Attends, appelle qui? Ah, ma fille. Ah, non. Si c'est pour te raconter que tu es là, c'est pas la peine. Tu peux les garder à ta femme. Comme ça, vous rentrez chez les gens pour leur donner des conseils. Mais voilà, sois là. Hein? Voilà. En tout cas, je ne suis pas là pour tes conseils. Ma fille. Je dis, je ne suis pas ta fille. Attends, des vieux comme vous, au lieu de vous marier à des femmes fatiguées. Tu es poli en plus. Calme-toi. Tu ne sais pas que c'est ma fille. Je suis des jeunes filles. Calme-toi. Parce que vous ne pouvez pas les gérer. Ma fille, voilà, écoutez. Essayons de parler calmement. Une dernière fois. Oui. Je ne suis pas votre fille. Est-ce que je peux être votre fille? En tout cas, vous devez m'emmerder. Je ne veux même pas vous écouter même. Ma fille. Tu me touches, j'appelle la police. Aïe. Tu me touches, non c'est vrai, tu me touches, j'appelle la police. Je n'ai pas le temps. Au revoir. Voilà, je t'avais dit. Voilà, c'est toi qui m'as mis dans cette situation merdique. Moi, j'étais bien dans mon célibat. Tu m'as demandé de me marier, voilà ce qui arrive. Tiens. Ça va? Ça va et toi? Oui, va comme ça. Eh ben, je vais au travail, mais je suis un petit peu pressée. Mais est-ce que tu me reconnais? Ah oui, tu es Georges, un ami shérif quand même. Ah oui, tu es physionomiste, toi. Bon, en fait, est-ce que tu vois Chirouf dans ces derniers temps? Ah oui, je le vois tout le temps, on est ensemble, hein, donc ça se passe très bien, il est adorable. C'est vrai, ça. Est-ce que tu nous vois, frère? Oui, je le vois, mais pourquoi? T'as un problème? Je n'ai pas de problème, mais actuellement, ça. Chez lui, c'est pas possible. Si tu ne crois pas, prends ton téléphone, appelle-le, je te jure sur ma tête que tu tomberas sur la messagerie. Je l'appuie, on verra. Moi, je t'ai rien dit, hein. Merci, Georges. Oh, ciao, je vais passer chez lui. À Paris, quand tu vois un blanc, il est sale, mais sa maison est propre. Mais quand tu vois un noir, il est propre, mais sa maison est sale. Mais chérie, pourquoi tu diminues la musique? Tu comprends pas, hein? Pourquoi? Dis-moi, tu disais quoi là? Il y a quelque chose que j'ai pas bien compris. J'ai dit, vous les Ivoiriens ici.
Franchement. Non, il ne faudra pas te dire, mais tu es belle. Je suis belle. Franchement. Merci. Y aller, ben. Y aller. À tout à l'heure. Ouais. Ok, ah, ma cigarette. Chien! Oh, oh, oh. Vite,
Oh, Sonia, ça va? Assieds-toi. Qu'est-ce que tu as, ma cousine? Oh là là, mais arrête de pleurer. On pleure pas, on pense ici. Hein. Ça va? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Allez, parle, explique-moi. C'est un monsieur qui m'a fait venir ici. Il s'appelle Jupiter. Un jour comme ça, je partais faire les courses dans un magasin et j'ai croisé mon ancien copain là-bas. Et un jour, il me dit comme ça que si ça n'allait pas entre mon mari et moi de prendre mes affaires et venir chez lui. Mais il faut dire aussi qu'à Paris, les gens sont graves. Hein. Ah, ils sont très graves, hein? Très graves. Lui, il n'a pas papier. Il n'a pas maison. Il n'a rien. Il ne travaille même pas. Et puis, il me dit de venir habiter chez lui. Je prends mes affaires, je vais là-bas. Deux jours après, le propriétaire vient, il nous met dehors. Je ne sais même plus où aller. C'est pour ça que tu pleures? Non, arrête de pleurer. Arrête, arrête, on ne pleure pas, on ne pleure pas ici. Mais tu oublies que c'est ce monsieur qui m'a fait venir et ici. Et après, t'as fait venir ici après. Écoute, laisse tomber, hein. Attends, tu pleures, ce monsieur, mais il a quel âge? Il a 54 ans. Oh, 54 ans? Oh, mais dis donc, mais qu'est-ce que tu fous avec un mec comme ça? Un vieux comme ça? Il y a plein de jeunes à Paris, bien en forme, bien jolis. Laisse tomber, hein, je vais arranger ça, tu as compris? Écoute, il y a plein de trucs dans la cuisine, tu manges, tu t'allonges, hein. Tu te couches comme tu veux, c'est chez toi, hein. Je vais arranger ça après. Bon, quand je sors, hein, je n'ai pas le temps. Vraiment, je suis pressée, je dois faire... Oui, je sais, le guichet va passer en cuisine, tout juste deux minutes. Vous êtes africaine? Oui, je suis africaine. Bon, et de quel pays? De la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire? Oui. Ah. Et de quelle région de la Côte d'Ivoire? Catula. Ah, comme le monde est petit. Vous savez, j'ai passé 4 ans de ma vie à Catula. Ah bon? Mais c'est bien, donc tu vas rien alors? Absolument. Dites-moi, comment se fait-il que je ne vous ai jamais vu? Monsieur, oui. Vous ne pouvez pas toutes les filles de Paris? C'est pas possible. Ça, c'est... Et puis, c'est comme ça que vous promenez chaque fois pour aborder les femmes? Ah non, pas du tout. Sauf celles qui vous tapent dans l'œil, comme vous. Oui, je suis chanceuse, donc oui. C'est pas la peine. Hein. Oh, tout de suite, les grands mots. On peut tout s'arranger. Ah bon? Pour te demander pardon. Oublie ce qu'elle t'a fait.
On dit souvent que le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Et aujourd'hui, elle a honte. Quand on a déjà été mordu par un serpent, on a peur même du simple ver de terre. En tout cas, c'est fini, un point d'intérêt. Je sais. Mais donne-lui une dernière chance. Ah ouais. Tu me chargerais de son éducation. Ouais, je suis là pour donner des chances aux gens. Oh, pour toi aussi, ne fais pas ça. Hein? Tu aurais pu l'éduquer avant qu'elle ne quitte Abidjan. Pardon. Sonia, tu as vu. Bon, c'est pas grave. Moi, je sais que cette nuit-là, tu vas beaucoup réfléchir et tu vas me donner une bonne réponse demain. Ah ouais. D'accord. On va partir. La nuit porte conseil. Et je suis sûre que tout va s'arranger. Ne t'inquiète pas. Bon, mais je vais réfléchir. Comme tu es venue quand même, si elle était venue toute seule, je ne l'aurais pas reçue, moi. Je ne l'aurais pas reçue. À cause de toi, je vais réfléchir deux fois. Merci. Alors tu la gardes chez toi. Le temps de l'éduquer, comme tu l'as dit. Il y a une belle maison. Est-ce qu'elle sait que j'ai une belle maison? Est-ce qu'elle sait que j'ai une belle maison? Oh, Sonia, toi aussi, regarde une belle maison comme ça. Mon beau, je sais que tu vas réfléchir et tu vas me donner une bonne réponse. Très bonne réponse. Allez, salut ton mari. Allez-y, allez-y. Au revoir. Eh oui. Les femmes, on veut leur donner une chance et voilà ce qu'elles font. Maintenant, tu n'as plus pas changé. Elle a qu'à aller changer chez toi, là. Ah oui, tellement les gens, elle était jalouse.
Bon, en fait, ça c'est du passé. Pour l'instant, c'est toi qui m'as dessiné. Mieux vaut t'occuper de moi. Écoute, Loïse. Oui. Bon, mais je vais me soulager rapidement. Et puis, je suis à toi dans quelques petites minutes. D'accord. Ok, j'arrive. Hein? Tant pis, dans tous les cas, une de perdue, beaucoup de gagnants.